Le gabier perse. Du coup, si toi tu es lui, alors toi tu es l'autre. Et si toi, voilà, si toi t'es celui de Nouvelle-Guinée, eh bien lui c'est le Perse. Et lui, on sait pas comment il est mort. Ce goujat! Ok. Et je pense que lui, il est mort de maladie. Comme son voisin. Comme lui. En plus. Et il y a un du Formos qui m'a... Ils m'ont tous été validés, eux. Oui, hein. J'irais bien. Elle m'a été validée aussi. Oui. Ok, tous. Ok. Lui, est-ce qu'on l'avait validé, lui? Oui. Lui aussi. Parmi les gabiers, il m'en reste ou pas? Gabier, gabier. Bah, il reste lui, en fait. Il reste juste lui. Ah oui! C'est bien que je regarde le croquis parce que eux, je les zappe, mais eux, ils ont fui. Et eux, on peut le savoir. Et je me rappelle que c'était les derniers de ma précédente aventure sur le jeu. On peut le savoir. En lisant le livre. Parce que c'est Henry Evans qui signe la préface du livre. Il dit... Et expédier ce livre au bureau des affaires françaises du Maroc. Et c'est comme ça qu'on est censé comprendre qu'ils ont fui au Maroc. Et donc... Ça, c'est vraiment juste un souvenir. Parce que je pense que si vraiment je l'avais oublié et que je devais le redéduire dans cette aventure, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Donc on peut dire que c'est très cher. Mais c'est pas moi, c'est Vidin. De toute façon. Hop! Coucou ma gueuse. Ça me fait toujours quelque chose de te voir dans mon chat, c'est fou. J'ai l'impression que... Que t'es un peu avec moi. Ça me fait plaisir que tu sois là, des bisous. Je sais pas si tu connais le jeu, ça m'étonnerait beaucoup. Mais c'est un jeu type Cluedo où il faut... T'as 60 membres d'équipage dont on a la liste ici. Et il faut que tu associes le nom d'un membre de l'équipage avec un visage. Et que tu détermines aussi son sort. Est-ce qu'il a péri? Est-ce qu'il a été tué? Etc. etc. Et s'il a été tué par qui? Et c'est un espèce de Cluedo géant, une affaire. Enfin, voilà, une affaire policière. Et il faut tout trouver. Et c'est très génial comme concept de jeu. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille pas, celle-là? C'est très très cool. Donc je disais que Henry Evans, c'est le chirurgien, mais il est où lui?
Je sais plus où il est. Et il est pas. Je vois à peu près sa gueule, mais il est où? Ah, il est là, non? C'est pas lui, là. Donc je pense qu'il a fui. Comment ça? Bah il est vivant alors, du coup. Il est vivant au Maroc. En Afrique. Let's go! Bravo! Du coup, ça va être qui? Mais du coup, il est pas tout seul parce qu'il y a les Anglaises là aussi. Les passagères anglaises. Ah, mais c'est bien, du coup, l'autre Indien, il a vraiment succombé à la maladie, donc ça, c'est parfait. C'est parfait.